Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Lego Marvel's Avengers, chers amis. Donc, nous sommes à la tour des Avengers, hop, en compagnie de nos amis qui normalement étaient là, voilà. Et nous allons donc, voilà, hop. Est-ce que je peux avoir Non, je peux pas. Bon bah écoutez, on se barre. Hein. Non, on va se barrer avec du argent. Parce qu'il est still A. Pourquoi on se barre dans Manhattan? C'était pas le début de la mission? Qu'on m'explique? Ah bah non, bah je suis dans Manhattan et je suis libre. C'était pas prévu, hein. Ah non, faut passer dans le truc pour partir. Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on refait un tour d'ob? Ah bah, je crois que c'était de la vitre, mais non, apparemment non. Ok. Non, on va continuer un petit peu dans l'histoire. C'est parti. La vitre, tu pourrais penser à la soulever avant de rentrer. Comme on pouvait s'y attendre de la part du très discret Tony Stark. Oui. Le Quinjet des Avengers est quelque peu plus perfectionné que ce qu'on avait au Shield. D'accord. Il est un peu plus grand pour accueillir toute l'équipe, tout en étant aussi rapide et maniable que l'ancien modèle et... J'ai l'impression de faire de la pub. Bref, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il vous amènera en Sokovie. D'accord. Tiens-toi prêt, Ultron. Les Avengers arrivent. Yeah! Ben nous voilà partis alors. Ultron sait qu'on arrive. Le feu ennemi sera nourri. Mais notre priorité est d'évacuer le peuple de Sokovie. On découvre ce qu'a construit Ultron. On trouve Romanoff. Et on dégage. Il y a un cochon qui conduisait un camion. Ça va? T'aurais pas trouvé une clé quelque part par hasard? J'en ai une. Allez! Oh non! Boum! Boum! C'est reparti! Trop de classe! Vous m'excluez! Tu m'as enlevé mon monde, je t'enlèverai le tien! Eh bien, je trouvais les autres Ultron beaucoup plus stylés que celui-là. Ah! Hey! Ah merde, c'est pas toi. Finissons le travail. Bon. C'est toujours pareil. Bah oui mon pauvre Stan. T'es trop vieux pour ces conneries. Oh, faut grimper. Cool. Vous me recevez? Si vous voulez rejoindre le sommet, il va falloir dégager le chemin. Ah, fallait pas descendre trop bas. Retrouvez les autres une fois sur place. Pourquoi pas? Oh, je viens de voir un truc qui brille là-haut, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ok. Aïe. C'est pute, j'étais arrivé tout en haut. Raté. Alors, prenons ça. Essayons. Crac. Ah voilà. Ça c'était pas prévu. Pourquoi pas? C'est un peu plus violent que ce que j'avais imaginé, mais pourquoi pas. Ah. Faut que je t'emmène, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Hop là. On se fait quelque chose alors. Ok. Natacha? Je pensais que tu pesais pas plus de 45 ou 50 kilos à tout péter, hein. Peut-être, allez, je dirais même 60 avec du muscle. Mais ça m'étonne.
passant de sa méthode. Quoique. Oh, est-ce que je peux? Oh, je peux! Boum! Oh, c'est stylé! Ah, merci Natacha. Dépêche-toi parce que l'autre il mord son frein depuis tout à l'heure, le pauvre. Feu! Ok. Un caillou! Oh, il y avait un truc derrière le caillou. Donc, apparemment, j'ai chopé un personnage. Est-ce que tu veux remonter, Natacha? 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 Si c'est pas beau l'amour. Il y avait pas genre une touche de saut particulière sur lui là? Non, elle doit pas être active en fait là. Natacha, par contre, j'aurai besoin de toi. Pas comme ça. Voilà, merci. Natacha. D'accord, ok. C'est stylé, je trouve. Allez, monte. Ok. Ah, il y avait encore une. Pourquoi pas? Hop. Et ça explose. Et on récupère les pièces au ralenti aussi, c'est génial. Bon. Allons-y. Par contre, tu grimpes un peu dans le vide, là, mon très cher Hulk. Ok, c'est bon. Allez, sois un héros. S'il tombe. Extinction globale. Ok, ça pue donc. Eh, faut se réveiller. Allez. Ça va? C'est notre faute. Regarde-moi. Votre faute ou pas, on s'en fiche. Mais je vais y retourner, parce que c'est mon travail. Si tu restes ici, t'es tranquille. Si tu passes cette porte... T'es un Avengers. T'es un Avenger. Enfin, Avenger, oui, effectivement. Oh, la poule! Non! Le pauvre mec était resté là. Ah, j'adore. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Lego argenté. C'est pas les Lego argentés qui m'intéressent d'abord. Et ça fait rien, d'accord, ok. Et d'ailleurs, on va peut-être avoir un truc sympa entre. What the. Ah, ça a fait. D'accord, ça repasse la peinture Avenger. La peinture Shield sur la peinture. Tiens, Barton, essayons ensemble. Ah, sympa. Ok, Barton. Aïe. Ok, là ça devrait péter. Voilà, ça pète. Parfait. Ok. Jusque là, ça va. Ah, même très bien. Flèche Sonic. Hop. Ça marche. Et c'est. Un marteau piqueur gigantesque. Ok, pourquoi pas. Je suis preneur. Hop, merci. Tiens, vas-y, je t'en prie. Et ça s'ouvre. J'ai quand même un petit peu de recherche. Et il y a un truc, est-ce que ça se casse? Barton, est-ce que ça se casse?
Ça se casse pas apparemment. Eh ben on y va. Barton, j'aurai besoin de toi parce que je vois. Ok. Ah non, je pensais que c'était un truc de. Ah. Ah bah oui, mais il aurait fallu que tu t'accroches, mon pote. Hein, c'est. Ça y est. Il eût fallu que tu t'accroches. Apparemment, il y a rien en dessous. Oh, hey. Pas là pour rigoler, moi, monsieur. Alors. Bon. Des petites pièces partout. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. D'accord. Une espèce de tremplin avec une zone bizarre au-dessus. Alors, ça par contre on peut l'effacer, ce serait cool, merci. Hop, et de deux. 50 000, c'est toujours agréable. Allez, vas-y. Ah non, j'ai compris. Ok. Ah, c'est sympa. Barton, merci pour la corde. C'est parti, véritable Avengers. True Avengers. Pauvre mec dans sa baignoire. Il était pour rien. Hop les, ça c'est fait. Ah, il nous reste des choses à faire apparemment. Non, pas l'hydra. Voilà, ça c'est mieux. Ah, c'est un ascenseur, d'accord, pourquoi pas. Je suis preneur. Il y en avait des pixels derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo? Qu'est-ce qu'il y avait dans le frigo? La machine à laver peut-être? T'as fini ta machine? Oh là là! Qu'est-ce que... Alors, tu veux bien... Merci. Ah. Ok, je savais pas que ça allait faire ça, à vrai dire, mais pourquoi pas. Ok. Et par là, il y a un petit peu de points aussi, pourquoi pas. Ok. Hop. Merci. Voilà, ça en fait 4 si je ne me trompe pas. Merci. Hop. Est-ce que quelqu'un va faire une petite partie de billard? Un petit billard, c'est toujours sympa. Les pièces disparaissent, c'est bon, on peut y aller. Eh mais ça glisse dans le coin. Et y'a mon frère. Olé. Pourquoi tu fais pas comme ça? Boum 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 boum. Crac. Wow, c'est stylé aussi ça. En fait, toutes les interactions avec Quicksilver, elles sont stylées, c'est cool. Ah, Scarlet Witch. Witch, pardon. J'ai besoin de toi pour faire un petit peu de peinture. Ok. Bon. Maintenant, c'est l'heure de nous amuser un petit peu. Hop là. On peut pas attaquer celui qui est en hauteur, c'est dommage. Crac. Ok. Dégage. Ok.
Dommage qu'on ait pas plus de trucs à choper dans le coin. Ça aurait certainement été bien plus qu'agréable. Ok, Barton. Ah, c'était pas Barton que j'avais, dommage. Oh non, ah! Une nouvelle, cool. Par contre, Barton, je préfère que tu t'en occupes parce qu'apparemment, elle, elle est pas très efficace niveau DPS. Ok. Ok, c'est bon. Ok. On est bon. Et voilà! C'est pas bon! C'est tout! J'arrive. Le coup du milkshake. Ah, il y en a plein partout. Dégoûtant. Le texte des ennemis en vol vers le pont. Capitaine des ennemis. Ils sont déjà arrivés. Hop là. C'est bon ça. Stylé aussi d'ailleurs. C'est trop con. Boum! Ah non, même pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les alliés du Shield? On a des civils sur ce pont. Foncez là-bas avant que tout ça ne s'écroule. Hop. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste me mettre en position pour. Mais c'est pas grave. C'est pas un allié. Oh. Hop. Mais tu me saoules. Allez, c'est parti. Peut-être qu'il vaut mieux que je prenne tort. Non plus. Cette chose commence à me saouler. Je ne peux pas l'attaquer. Ok. Stan, je suis désolé, j'ai rien pour te... Là, il y a quelque chose. Ok, j'ai compris. Hop. Recharge! Ok, joli! Joli, Capri. Merde. Alors, faut dire que j'ai pu avec la touche X, ça marche aussi. Hein. Aïe! That's gonna hurt! Par contre, alors, je précise, il y a bel et bien en fait un truc derrière. Un personnage jaune. Et je ne sais pas comment l'atteindre du tout. Non, je pensais que ça aurait marché, un gros coup de marteau, littéralement. Hein. Mais non. Alors. J'imagine que je n'ai pas le personnage qu'il faut. Je n'ai pas encore cassé ce qu'il faut, ça dépend. Hein. Ah, y'a Hulk derrière. Ok. Aha. Aha. Ah oui, non, quand c'est au sol, il faut le faire monter dessus. Et boum. Kaboum. Ah, dommage, c'est pas ça. Ce n'était pas ça. Oh, hé. Hey. Ok. Donc je n'ai pas le choix. Je ne connais pas le moyen pour y aller, ni le moyen pour le sauver. Ah, peut-être qu'en fait en le sauvant lui, il va se planquer ailleurs peut-être. Bon, de toute façon on peut pas le faire à l'heure actuelle. C'est bien dommage. Ok, salut les gars. Merci.
Ça m'aide vraiment. Ah, il y a un truc à casser là-dedans. Yamamoto qui a cassé. Non, c'était pas ça qu'il fallait dire. Non. Arrière. Ville. Créature. Camion. Marche pas. Ok, ah oui, je comprends mieux. Captain. Par contre, Captain, évitez de tomber dans le trou. Hein. Je sais que c'est un truc qui vous intéresse toujours de tomber dans le trou, mais quand même. Ok, et évitez de mourir connement aussi pendant une cinématique, ce serait sympa. Ouais, enfin bon, d'ici là. Ouais, bon. Je vais pas répliquer. Ça vaut mieux. Ok. Et boum, kaboum. Et boum, kaboum. Mon très cher Thor, je vais avoir besoin de votre marteau. Et boum. Je prends. Hop. Donc vous inquiétez pas, ensuite on fera pas que du mode libre, hein. Il y aura aussi donc le mode mission libre, qui correspond en fait au mode mission normal actuel, hein, comme vous le voyez, les mêmes missions. Sauf qu'on a accès à une certaine série de personnages qui eux donc nous permettront d'avoir accès à certaines zones qui n'étaient pas accessibles, ou à certains pions qui n'ont certaines récompenses qui n'étaient elles-mêmes pas accessibles non plus. Il semblerait qu'on ait quelque chose ici. Bon. Et boum. Va savoir comment on a fait le tri entre les gentils et les méchants. Tant bien que tu viennes par là, on peut pas avoir un peu de multiplicateur x10. Est-ce que je peux casser ça? Non. Non plus. Et je suis tort, j'ai forcément quelque chose à casser. Ok. Ah bah j'ai pas eu le temps. Hop les. Ok. Et boum. Ah mais... C'est pas que vous me saoulez mais... Ah si, vous me saoulez en fait. Pas. Bon. Où est-ce que t'es qui m'attaque? Oh mais. Mais non, mais attaque-le lui! Mais qu'il est con. Bon. Mais je sais bien, mais bon. Ah mais d'accord, c'est simplement ça qu'il fallait faire. Je ne peux pas répliquer à cela. Allons-y. Je l'ai fait 36 fois ça déjà. Ok, l'emplacement du pont est libéré. Enfin, l'entrée du pont est libérée. Steve, ces gens sont condamnés. Si Stark fait tout sauter... Je n'abandonne aucun civil. Je n'ai pas parlé de partir. Où est-ce que je retrouverai une vue pareille? Oh... Ravi que la vue vous plaise, Romanov. Ah... Oui, j'ai pas du tout... Je commence à être complètement habitué au principe du cochon. Hein. Yeah! He is back! Je l'ai sorti de la naphtaline avec de vieux amis. Elle est un peu sale, mais ça devrait faire. Salut! La montée du. Oula! Je vais pas la lire en entier celle-là. Je vais pas vous dire ce qui monte. Véritable Avenger! Hey, Avenger! Excelsior!
Homme de main, Klaus. Ah oui, d'accord, oui, je vois qui c'est. Ok. C'est un des hommes de main, justement, de Klaus, le mec qui travaillait en Afrique du Sud en tant que revendeur d'armes. Eh ben dis donc, c'est pas souvent que ça arrive, ça. Ok, continue l'histoire, je suis obligé. Bon, bah écoutez, on va continuer alors. Regarde la cinématique et je vous laisserai juste ensuite. 500 mètres en hausse. Les canaux peuvent être déployés. Désarrimés dans 3, 2, c'est parti. C'est ça le shield ? Tel qu'il devrait être. Ça va, c'est pas si mal. Embarquons-les. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la plateforme, votre lien dans la barre de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver donc le lien vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement offert certains jeux sur la chaîne. Donc encore une fois un grand merci à eux, mais surtout un grand merci à vous pour votre fidélité, votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.